souhaiter la bienvenue à vous tous et aussi à Madame la ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, Madame Sonia Mbarek, ainsi qu'à Monsieur Kamel Lazar, président de la Fondation Kamel Lazar pour les actions culturelles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce beau palais, le palais Najma Zahra, pour fêter l'aboutissement d'un projet dont les balbutiements remontent à plus d'une année. Quand M. Kamel Lazar proposa d'aider le centre dans l'un des projets qu'il envisageait d'entreprendre, le choix est tombé presque naturellement sur le projet de réhabilitation de l'atelier de peintre du baron d'Erlanger, vu la nature de l'action de la Fondation qui promeut les arts visuels au Maghreb et dans le monde arabe. Le projet se décline en trois objectifs. Restaurer la pièce qui faisait office d'atelier de peintre dans toutes ses composantes, plafond, plancher, porte, etc. Restaurer également une partie des collections du palais, que ce soit les meubles ou les tableaux qui seront exposés. 2. Assurer les conditions optimales de conservation tout en permettant la visite du site et plus particulièrement la visite de la pièce qui fait office d'atelier de peintre. Et enfin, offrir cette possibilité aux visiteurs pour découvrir davantage nos collections, notamment la collection des tableaux jadis conservés en dépôt et non exposés au public.